L'autre joueur cette fois-ci du RR toujours, c'est Karim Benzema. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on est à une période qui n'est pas forcément la meilleure, mais pas au top de sa forme? On a vu le match aller aussi, il avait raté quelques occasions qui s'étaient présentées. Est-ce qu'il traverse une période un peu difficile au sein de la formation espagnole, Karim Benzema? Peut-être une période difficile, mais finalement le rôle qu'a aujourd'hui Karim Benzema, c'est son rôle préféré, son rôle de lieutenant de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, ce n'est pas un leader pour moi, c'est quelqu'un qui assiste au football. Ouais, je suis à ma résidence privée d'Abidjan. Voilà, je suis arrivé hier par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. À tous les bien-aimés internautes, les enfants spirituels, que Dieu bénisse. Je suis bel et bien à Abidjan, à ma résidence privée, ici à la Riviera Saint-Viateur. Voilà, donc tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis avec le général de la communication, Armel, celui qui est le chargé de communication qui gère la com ici. Donc c'est l'accueil était vraiment très chaleureux hier. Chaleureux hier à l'aéroport. Très content de revoir la Côte d'Ivoire, c'était vraiment merveilleux. Voilà, donc je suis arrivé hier à 19h30, en fait le vol est descendu, atterri à 19h30. Je suis sorti l'appartement de l'aéroport 21h moins. Et j'en profite pour remercier la douane ivoirienne, super. Et en même temps, la police de frontières, l'accueil était vraiment très chaleureux dans les locaux. L'aéroport, beaucoup étaient contents de voir le prophète. J'étais escorté par mes gardes de corps. Et en même temps, la police de frontières, la gendarmerie, l'aéroport. Voilà, donc je donne à dire merci. La douane ivoirienne, voilà. Sinon, je suis venu à des affaires qui m'ont bien donné, en fait, pour les dons de l'orphelinat et de la fondation. Je n'ai pas eu de soucis à faire sortir ça de la réponse. Je tenais à dire merci à la Côte d'Ivoire et merci aux autorités ivoiriennes. Voilà. C'est vraiment très important de reconnaître le ministère du prophète Crasso. Donc, je suis à ma résidence privée ce matin. Je ne suis pas allé au culte. Puisqu'il y a trop de dettes de sommeil, trop de crédits. Je reçois des généraux de la brigade chez moi. Voilà, chez moi, mon fils spirituel, le responsable de la sécurité. Il est le responsable de la sécurité. Le général de la communication, celui qui gère la com. Je le reçois chez moi. Ouais, petit tikliti. Faut qu'on reprenne le tikliti, c'est important. Bah, c'est à vous, monsieur, la parole. Shalom, shalom à vous. Mes remerciements vont à l'endroit du comité d'organisation, particulièrement à ceux de Lyon. Ouais. Je leur tire vraiment le chapeau. Ouais. Ils ont honoré le père dignement. Ouais. Sans oublier le frère Armand depuis l'Italie. Ouais. Le pasteur Armand, ouais. Pour la précision. En tout cas, ça a été vraiment des tailles. Les mots me manquent. Ça a été vraiment des tailles. Les outils, le chapeau, continuez comme ça. C'est le royaume des cieux qui gagne. Oui, franchement. Ok. Merci. Voilà, donc si c'est, je voudrais quand même ajouter par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà, donc, ouais. C'est sans alcool, hein. C'est sans alcool. On appelle ça verre de Zadi. On appelle ça verre de Zadi. Vers des Zadi. Voilà, on appelle ça vers des Zadi. Bon, Tiking, à notre santé. Et à vous aussi, bénédiction à vous. À vous les images. Et à vous les goûts, le goût. Voilà, donc ça c'est vers des Zadi. C'est vers des Zadi. Voilà, donc tout va bien. Je tenais au salut, merci au pasteur Armand, depuis l'Italie, Verbania. Shalom au pasteur Armand et son épouse et toute sa famille qui nous ont vraiment bien reçus. Hôtel 5 étoiles, vraiment très bien. Nous avons passé un bon moment à Verbania. J'en profite pour dire ce merci à Sylvie, ma fille en Suisse. Très bien, ils sont bien occupés de moi et toute cette communauté de Suisse. Shalom à vous. Vraiment, ça a été vraiment une expérience enrichissante avec ceux de la Suisse aussi.
Ça m'a permis d'être en contact avec mes enfants spirituels. Et je tenais aussi à dire merci Alban. Monsieur Alban et Patricia Alban de Lyon. Et surtout au grand comité d'organisation. Voilà, au grand comité d'organisation, Patricia Kwasi. Félicité Kwasi. Je tenais aussi à dire merci aussi à Oda de Paris. Aussi à Serge, Wilfried Schell. Serge, vraiment tout le monde, en tout cas tout le monde. Et à bienvenue le chantre, à bienvenue et toute son équipe. Vraiment superbe, une bonne organisation. Ils ont commencé d'abord avec la limousine et on a terminé la limousine. On a commencé la limousine, on a terminé la limousine. C'était vraiment super et c'est ça il dit, une bonne organisation attire l'onction. Parce que quand mon âme est réjouie, c'est l'âme de Dieu qui revoit ma maison après 2 mois. Très content de revoir ma maison parce que je suis un peu habitué à Divoire. Les gens pensent que je suis souvent, mais je suis aussi à Divoire, à ma maison à Abidjan. Voilà, donc je travaille à Divoire. J'ai chez moi Divoire et ma maison ici. Donc je reçois des généraux. Voilà, chez moi à la maison. Pour... Parce que c'est une brigade, hein. C'est une brigade. Le maréchal reçoit des généraux. C'est eux d'abord les premiers contacts avec les infos de pointe. Et aussi de me donner aussi les nouvelles du pays, afin d'affronter les petits soucis, parce qu'il y a des petits soucis qu'on doit gérer avec le blé. Sinon, tout va bien par la grâce de Dieu. Très content de les revoir. Surtout qu'on était déjà en contact tous les jours, au travers de la com, la téléphone, les réseaux sociaux. Ils suivaient beaucoup de conseils aussi de leur part. Beaucoup d'encouragement aussi de leur part, et donc ils sont allés m'accueillir à l'aéroport. Ils viennent d'arriver, voilà, donc c'est champagne sans alcool pour se dire qu'on est ensemble, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, je vous dis merci. Et à tous ceux dont je n'ai pas cité le nom, Mérité, je dis aussi merci à Mérité de Paris, mon fils Mérité de Paris, à tout le monde, et surtout au pasteur Anne, voilà, j'oublie aussi au pasteur Anne. Et maman Marie, et Marie de Lyon, voilà, Marie de Lyon, il y a beaucoup de personnes comme ça. Marie de Lyon, tout ce comité-là. Franchement, je n'ai pas dit vos noms, excusez-moi, mais vous m'avez positivement marqué, super. On s'est bien séparés, c'était bien, on échangeait. Mais un petit noyau très efficace, c'est ça aussi le problème. Un petit noyau très efficace, je tenais à dire merci. Et que ça puisse être servi d'exemple partout. Voilà, vous avez vu, quand il y a eu l'onction, j'étais content dans mon âme. Les programmes, on a déclenché dans les miracles. Ça a commencé dans les miracles, des paralytiques. Les choses ont commencé à se passer. C'est comme ça, quand le prophète est réjoui, un homme de Dieu est réjoui, beaucoup de choses s'opèrent. Voilà, donc tout va bien, par la grâce de Dieu. Donc je tenais quand même à dire merci aussi à la Côte d'Ivoire, au ministère de la Compassion des âmes, l'église Adivo, qui n'ont cessé de soutenir en prière, celle aussi des Arocos. Qui m'ont porté en prière jusqu'à ce qu'il arrive sur le sol ivoirien. Voilà, que Dieu bénisse la reprise des activités la semaine prochaine pour une retraite spirituelle à partir du 17 jusqu'au 20. Voilà, 17 jusqu'au 21. Et nous allons commencer une conférence de presse internationale à la fondation. Et après ça, on aura la remise des dons. Et à l'orphelinat, en fait, au centre social de Divo, on a 300 orphelins de sida. Devant le préfet de région, devant la madame le sous-préfet, nous allons remettre des dons aux 300 enfants d'orphelins de sida le 18 de ce mois à Divo. Voilà, donc cela reprend les activités, y compris au niveau du ministère, au niveau de la fondation. Et j'en profite pour dire le 7 prochain, nous sommes le 7 juin, je serai aux États-Unis pour le problème des États-Unis. J'en profite pour dire, vous avez vu l'exemple. Vous avez vu un peu, voilà, vous avez vu, les gars des bâtiments ont mis la barre comme ça. Ils ont élevé la barre comme ça. Ceux de Lyon ont rebondi encore, ils ont mis ça en haut. Donc, si je viens, ne me rabaissez pas. Faut pas vous allez me rabaisser. Voilà, une manière de dire, on est ensemble. Voilà, une manière de dire, on est ensemble. C'est la brigade qui gagne, c'est le royaume de Dieu qui s'avance, qui s'impose. Il faut que le royaume de Dieu puisse avoir gagné du terrain et que nous puissions ensemble, c'est-à-dire ensemble en tant que croyants, enfants de Dieu, dépeupler le royaume de Satan. Nous avons, n'est-ce pas, pour but de vous éclairer
sur le phénomène de la sorcellerie, en fait, de vous amener à comprendre que ça existe. Voilà. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc, ça dit, tout ce qui existe a un nom. Voilà. C'est pas dit ça existe, que c'est un nom. Voilà. Donc, ce qui n'existe pas ne peut pas avoir un nom. Donc, la sorcellerie existe. Et si elle existe, voici un peu comment elle opère. C'est ce qu'on essaie de faire. Et quand vous allez sur le YouTube, vous voyez un peu comment ça se passe. Nous travaillons en Côte d'Ivoire. Et c'est par rapport à ça que nous voyageons. Dieu nous permet de voyager, d'être en contact avec la diaspora, leur motiver à revenir à l'Afrique parce qu'ils ont peur de l'Afrique. Il faut les amener à comprendre. Et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'enfants spirituels. Estelle Chou d'Italie, ma fille qu'on appelle Asti. Voilà, ma fille d'Asti, beaucoup d'enfants, plein d'enfants spirituels que j'ai rencontrés dans la salle, à Paris même, à Paris. Beaucoup sont ceux qui sont venus dans la salle. Même ceux qui ne sont pas venus, je vous aime. Voilà, ceux même qui n'étaient pas là, je vous aime. Sans rancune, vous avez vu un peu. Voilà, vous avez vu un peu. Dieu nous a puissamment utilisés. Un point reste un point. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est, je pense que la leçon est déjà tirée. Hein. Voilà, donc il y a eu beaucoup de convertis. Nous bénissons le Seigneur, il y a eu beaucoup de convertis. Mais franchement, chapeau au comité d'organisation. Et je pense que le culte ce dimanche, ça sera d'honneur. C'est vrai, le Seigneur, mais on aura l'occasion de parler de ça pendant le culte de ce dimanche-là. De ce dimanche, on va revenir un peu sur l'actualité de ma tournée européenne. Parce que c'est vraiment important l'image. Je vais essayer de communiquer un peu là-dessus. Et puis bon, on reste en contact. Merci encore pour les dons. Il y a des personnes qui m'ont fait des dons, qui m'ont même pas donné. Il y a un monsieur de métis comme ça en forme. Franchement, ce monsieur, il m'a marqué. Il a remis les dons. Il n'a même pas cherché à savoir de prendre son numéro pas. Il a remis les dons, les ordinateurs. Et quand c'était terrible. Les dons comme ça. Voilà. Donc il y a des personnes comme ça qui nous portent dans le cœur, prêts à nous aider, enfin avancer le royaume. Voilà, donc pour dire, affaire à suivre, on a l'occasion de mettre. Une cellule comme ça de la fondation sur pied au niveau de Paris, de Lyon plutôt, de Lyon, parce que tout sera piloté à partir de Lyon. À partir de Lyon, et comme ça, sauver des dons. Et surtout que toute l'équipe sera là en vacances. Voilà, donc je tenais quand même à vous donner un peu ça. Tout le monde sera là en vacances. Toute l'équipe de Lyon, tous ceux qui ont organisé le comité d'organisation, ils m'ont fait cette promesse d'être là en vacances en août. Ils seront là pour 3 semaines. Parce qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà, 3 semaines de vacances ici en Côte d'Ivoire et précisément à Digo. Voilà, donc shalom à vous. Que Dieu bénisse, tout va bien. C'est que sur le tikriti me manquait, mais je reprends le tikriti, mais sans oublier le sport. Je mange le tikriti et puis je cours le soir. Et je cours le matin, c'est comme ça me digresse un peu. Sinon, tout va bien. C'est fini? Tu as tout dit? Oui. Voilà, tout est dit. Voilà. Donc, shalom à vous.